Alors, reprenons. La pause étant terminée, je repartage mon écran et c'est parti. Ah, donc, je m'étais arrêté là. C'était une question de liste. Alors, dans les listes, faut bien comprendre. Ah, bah, tiens, je vais me prendre cette liste-là. Je vais me la copier. Et puis, je vais vous expliquer donc ce qu'il y avait juste au-dessus. Alors, et je vais la coller ici. Alors, dans une liste, voici, ceci est une liste, si je lance mon petit script qui ne fait strictement rien, il affecte donc toutes ces valeurs à la variable valeur tirée du bas x. Toutes ces valeurs, donc c'est cette série de valeurs, hein, 0.5, ça c'est la première valeur, un 3, ça c'est la seconde, un 4.5, un 8.5, un 12 et puis un 25. Toutes ces valeurs-là, donc, elles appartiennent à la liste valeur x. Donc, si moi je fais par exemple print valeur x, donc le print, hein, je vous le rappelle, il n'y a pas nécessité de le mettre, mais voilà. Ou si j'avais tapé valeur x, parce qu'il n'y a pas nécessité de mettre le x, le print, voilà, ça vous fait la même chose. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'une liste, dans le cours, là, vous avez le terme itérable, une liste itérable, c'est un élément itérable, c'est un élément où je peux compter c'est un objet où je peux compter les éléments qui sont dedans. Par exemple, si je lui demande d'afficher valeur tirée du 6 x, mais si je mets des crochets, et si là je mets 0, là je vais lui demander de m'afficher la première valeur, donc la valeur numéro 0 de la liste valeur tirée du 8 x. Donc si je fais ça, il va m'afficher 0,5. C'est l'intérêt des listes, justement, c'est que dans une liste, je vais pouvoir, moi, ajouter ou appeler ou faire des calculs avec n'importe lequel de ces éléments. Alors le 0, faut bien comprendre, hein, le 0, c'est la première valeur, il compte de 0 à, au nombre total d'éléments moins 1. Donc par exemple ici, ça c'est l'élément 0, ça c'est l'élément 1, ça c'est l'élément 2, ça c'est l'élément 3, le 4 et le 5. Si par exemple je fais valeur 5, et si je valide, il m'affiche bien donc la dernière valeur, la valeur 25. Si je lui fais par exemple, tiens, si je me trompe et que je dis mais en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 valeurs dans ce truc-là. Si je lui demande de m'afficher valeur 6, là il va me dire que ben, la valeur, l'élément dans la liste valeur x qui a l'indice 6 n'existe pas. Donc voilà, il me dit que c'est l'index est au-delà de la limite possible. Si je veux afficher la troisième, ben, ça sera 0, 1, 2. Hein, d'accord, donc ça va me faire la 2. Pardon, la 2, toc, 4, 5, on est bien d'accord. Je peux faire des calculs, hein, par exemple, si je lui demande de m'afficher la 2 multipliée par la 2 multipliée par la valeur x crochet, par exemple, la 2, c'est 0, 1, 2, c'est 4, 5, n'importe quoi, multiplié par la valeur. On va faire 12, donc la 4. Eh bien, il va me récupérer le contenu de la variable, de la deuxième variable de ma liste, troisième variable de la liste, pardon, multiplié par le contenu de la cinquième variable de la liste. Et puis, si je fais ça, il me fait bien, donc, la deuxième, c'est 0, 1, 2, 4, 5. 4, 5 multiplié par 12, ben, ça doit faire 54. Si j'ai un doute, je peux faire 4.5 multiplié par, on a dit quoi, par 12, et puis ça me fait bien 54, donc tout va bien. Et un autre truc à voir, c'est que si je fais ça, par exemple, si je mets deux points devant, ça peut être intéressant parfois. Donc là, je lui demande de m'afficher ou de traiter, tous les éléments du début jusqu'aux deux exclus, jusqu'à l'indice 2 exclu. Donc ça va me faire l'élément 0 et l'élément 1. Si j'appuie sur Entrée, je n'ai donc deux éléments. En fait, le premier et le second, si vous voulez. Mais attention, ça c'est l'indice 0, ça c'est l'indice 1, et le 2 n'est pas pris en compte. Et si je fais l'inverse,
Donc si je mets les deux points derrière, donc je vais lui demander de partir de l'élément, alors donc le deuxième, donc là il est compris, et d'aller me chercher jusqu'à la fin, jusqu'au bout 25. Donc là il a bien pris l'indice 2, en fait le troisième élément si vous voulez. Bon, j'espère avoir été clair. Et puis s'il y a un truc quand même, je vais faire ma... Imaginons que je fasse ça fois 2. Nous sommes bien d'accord. Donc il me reproduit ma liste deux fois. Vous avez ici la première, le premier élément et vous avez ici le deuxième élément. Et si je fais, tiens, seriez-vous capable de me dire ce que fait ça? Si je multiplie deux listes, alors deux fois la même là, mais à votre avis, qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce qu'il va me faire? Eh bien, vous allez voir qu'il va prendre chacun des éléments d'une liste. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il ne peut... Alors, la liste 1, il module can multiply second by no. Alors voilà, ben, il veut des valeurs entières. Donc, il ne va pas me le faire. Donc, il faudrait que je transforme. Enfin, donc, j'aurais mieux fait de ne pas donner cet exemple. Retournons dans le support de cours. Vous lirez ça, 0,5 c'est bien ça, c'est ce que j'ai traité, le 4,5, ok. Ok, liste et indice. Alors, avec un print, affichez le contenu de votre liste. Donc, si je voulais faire cet exercice, créer une liste de noms vitesse et contenant les valeurs suivantes. Alors, c'est un exercice qu'on a fait avec Gaël, donc on va le refaire. Je vais supprimer ça. Alors, une liste. Vitesse, j'écris vitesse égale, et puis les valeurs qui doivent suivre. Le petit piège, en fait, c'était ne pas choisir, enfin, le numéro de la valeur, je m'en moque, je saisis directement les valeurs, et je sais que celle-là, ce sera l'indice 0. Donc 0, 0,25, 0,51, 1,02 et 2,42. Ah, et ben c'est parti, 0, 0,25, alors je vais mettre 0. Ça me suffit, une petite virgule, 0,25. Donc c'est 0,25, bien sûr. Point, j'ai dit. Virgule, 0,51. 0,51. Donc après, nous sommes d'accord, c'était 1,02 et 2,42. Donc virgule, 1,02, virgule, et 2,42. Je ferme les crochets. Voilà, j'y suis arrivé. Toc, 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 toc. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on me demande de faire d'autre? Ça, c'est fait. Avec un print, faire apparaître, afficher la liste vitesse. Facile. Si je fais un print dans mon script. Print vitesse. Et si je ferme ma parenthèse, donc si je le lance, il m'affiche bien ma liste, ça c'est cool. Si je lui demande, qu'est-ce qu'on me demande d'ailleurs, avec un print, la première valeur, la dernière, et celle du milieu. Alors, la première valeur, ça va être un print. Print, la première valeur, ça va être vitesse, de toute façon. Et puis je mets mes petits crochets, la première c'est son indice 0, la dernière valeur ça va être vitesse aussi, et là je vais chercher son indice et je compte 0, 1, 2, 3, 4, donc c'est un 4, il y a 5 valeurs mais son indice c'est 4, et celle du milieu c'est 0, 1, 2, donc ça sera vitesse, hop, des petits crochets 2. Hop, je ferme la parenthèse, si je lance ce truc-là, j'ai bien ma liste complète, et puis après mon 0, mon 2,42, mon 0,51, cool. Qu'est-ce que... Ah si, vos valeurs seront séparées par le fameux moins, donc là je viens de voir ma correction, donc vous vous rappelez que dans un des exercices au-dessus, on peut aussi ajouter un séparateur, donc séparateur égale toc,
Ok, donc si je relance mon programme maintenant, j'ai mes variables ici qui sont séparées par un petit moins, le 0, le 2,42 et le 0,51. Qu'est-ce que je devais faire d'autre? Avec un print, faire apparaître la différence de vitesse entre 0,51 et 0,25 en appelant les valeurs de la liste vitesse ad hoc. Donc 0,51 moins 0,25, si je reviens là-dessus, donc ça va être print, pourquoi? Ben oui. Ça va être vitesse, alors 0,51 c'est la 0,12, c'est l'indice 2, moins la vitesse, ben, l'indice 1, toc, et une différence de vitesse, hein, nous ne sommes pas très loin d'une accélération. Toc, et si je lance le truc là, donc il va me faire 0,26 parce que c'est 0,51 moins 0,25. Donc ça c'est bon, et est-ce que c'était tout? Non, ben voilà, vous avez ici, moi j'ai copié-collé mon script. Dans le shell, tester ceci, donc c'est ce que je vous ai montré avant, par exemple dans cette liste là. Dans le shell, si je veux afficher par exemple vitesse, si je veux afficher toutes les valeurs, par exemple les trois premières valeurs, donc je vérifie que dans ma liste j'ai plus de trois valeurs, nous sommes d'accord, ben je vais mettre deux points et puis je vais lui demander les trois premières valeurs, c'est l'indice 0, 1, 2. Donc si je mets 3, ça va bien m'afficher mes trois premières valeurs, à savoir 0, 0,25 et 0,51. Et accessoirement, j'insiste, si je fais x3, ça va m'afficher ces trois valeurs. Je ne sais pas ce que je voulais, mais bon, bah ça me duplique ces trois valeurs. Ok. Je suis déçu. Bon, ça n'est pas bien grave. Allez, je retourne. Ah oui, le append. Tester ceci, ajouter 5,5 à la liste avec la méthode append. Alors, la méthode, ici, nous sommes bien d'accord, si je regarde dans ma zone variable, ayant lancé ce programme, j'ai bien une variable qui s'appelle vitesse, qui est une liste. Tiens, d'ailleurs, si je fais type vitesse, si je ferme, j'ai bien une variable de type liste. C'est écrit donc ici. J'ai bien une liste contenant, tiens, si je fais len vitesse, j'ai bien une variable de type liste qui contient 5 éléments. Le len vitesse, le len me compte les éléments de ma liste. Ça compte le nombre de caractères dans une chaîne de caractères et ça compte le nombre d'éléments dans une liste, entre autres. Donc j'en ai bien 5, 0, enfin 1, 2, 3, 4, 5. Bien, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, mon dernier élément, nous sommes d'accord, c'est 2,42, 2,42. Si je veux ajouter un élément à cette liste, le truc super pratique, c'est la fameuse méthode append. Alors, vous voulez ajouter un truc à une liste, donc il faut donner le nom de la liste. Donc moi, je vais taper vitesse dans le cas présent. Je vais mettre un point pour ajouter la méthode derrière, et puis là, je vais mettre append. Et puis, là, je vais mettre. Bon, j'ai un doute, il y a 2p. Et donc là, je vais mettre dans ma parenthèse, je peux ajouter n'importe quoi. On me demande d'ajouter 5,5, je crois, donc je vais mettre 5,5. Si j'appuie sur Entrée, voilà, je viens d'appliquer cette méthode à ma liste. Donc la valeur 5,5, elle s'est ajoutée. Vous la voyez apparaître ici. Et quand je dis que ça peut être n'importe quoi, hein, je pourrais mettre une chaîne de caractères, exemple 5,5, 5,2. Donc là, maintenant, ça, c'est une chaîne de caractères, méfiez-vous. Et si je valide, je rajoute le 5,2 avec les petits guillemets à ma liste. Donc, dans une liste, on peut rajouter à peu près tout et n'importe quoi. Des noms de variables, enfin, voilà. Bien. Je crois qu'on s'était arrêté là. Afficher la liste vitesse. OK, ben, ça sera un print vitesse. Exemple de correction. Alors,
si je reprends, on s'est arrêté là, je pense que j'ai rien ajouté. Alors, notez que dans le shell, le print peut être mis, oui, ok, je vous l'ai montré. Vitesse 2.2, ça va afficher les éléments 0 et 1, donc les deux premières valeurs, 0 et 1, ok, ça j'ai compris. Vitesse 5, ça n'affiche que le quatrième élément de la liste, hein, 0, 1, 2, 3, 4. Ok, bon, si vous avez compris ça, si vous avez regardé les deux vidéos, vous êtes prêt à la rentrée, à subir la partie 7 de 2, liste et sous-liste, car dans une liste, on peut mettre des listes, ce qu'on appelle des sous-listes. Ok, allez, fin de cet enregistrement. Donc j'arrête la présentation et j'arrête l'enregistrement.